Ce matin aujourd'hui avec Monsieur Tiston, ça va bien? Et on est là tranquille. Eh ben ça va très bien toi. Mm-hmm. Comment t'as vécu ton confinement? Très très mal. Hein. C'est vrai, pourquoi? Déjà je suis une personne, j'aime pas rester dans un seul endroit. Ouais, fermé, moi aussi, tu vois. Et si je reste chez moi, c'est parce que j'ai décidé de rester chez moi, tu vois. J'aime pas quand on t'impose. Mais bon, après, c'était pour le coronavirus, forcément, pour la pandémie actuellement qu'on vit là, c'est très grave. Mm-hmm. Est-ce que tu sens pas que tu as perdu un peu tes repères? En fait, je sens surtout que toute la vie a changé. Pris un coup, tu vois, ça a changé, fou. C'est bizarre. Même les gens sont bizarres. De fou. La violence a augmenté, enfin, tout est vraiment bizarre. Ouais, c'est exactement ça. Bon, heureusement quand même qu'il y a la musique drive et qu'on peut s'amuser en tout cas à l'automobile avec Jackson Studio et Trace. Bon, alors Tiston, je pense qu'on est obligé de commencer en musique, forcément. Ouais, sur Oh là là, c'est parti, c'est le tube de Tiston. Yo! C'est magistral! L'histoire de ce qu'on a. Tu seras obligé de raconter après. Magistral. Yeah. Tout venu au roi m'a beaucoup coûté. Tout ça m'a nia, il faut pas lutter. C'est seulement des sapis, j'en garante moi. J'allais à croiser mon gueule en beau témoin. Tout venu au roi m'a beaucoup coûté. Tout ça m'a nia, il faut pas lutter. C'est seulement des sapis, j'en garante moi. J'allais à croiser mon gueule en beau témoin. Oh là là. Touchez-moi, gardez-moi, oh là là. Merci. Oh là là. Hey yo, gardez-moi, écoutez-moi pas les bars. On y problème technique, chaque fois mon vie noir. Vous n'avez pas prise de tête. Laissez-moi pas les bars, c'est vous envie couronner. Y'a pas en calé là. On bat contre tous les autres gars. Bad gal, on t'a cherché un bad boy. On met en case. C'est mon tes sales gal. Tout genre, moi j'ai cherché. Oh là là. Bon, alors raconte-nous l'histoire de Oh là là. T'es obligé de raconter forcément. L'histoire de Oh là là, à la base, je connaissais pas Magistral du tout. Ouais. Et puis un soir, en fait, je devais rencontrer les parents de mon ex. Tout à fait, je devais rencontrer les parents de mon ex, donc tu vois. Big up à elle. Non, enfin. Au passage quand même. Et du coup je me suis apprêté tout non. Donc ouais. Je monte dans ma voiture, je reçois là un appel. Et là c'est au bout du fil, c'est Magistral qui me dit j'aime bien ce que tu fais, je voudrais te rencontrer, ouais, quand est-ce que tu es disponible et tout. Je lui ai dit bon ben tu me dis, moi y a pas de souci, je suis ok, machin et tout. Il me dit bon je ben sens la connerie. Il me dit bon ben là je suis au studio, non. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit imagine-toi, je fais rien du tout hein. Arrête de mentir. Si elle nous regarde, sincèrement, j'ai honte pour toi. Tiston, franchement, non, t'as pas bon. Je lui ai dit, je fais rien du tout et tout, machin. Il m'a dit, bah, ok, bah, passe au studio. Regarde, je suis allé au studio. Et attends, mais tu lui as dit quoi? À qui? À la meuf? Ben oui. Ben, je lui ai dit que je pouvais pas venir finalement. Et attends, tu devais rencontrer ses parents? C'était la première fois? Ouais, c'était la première fois que. Ouais. Je comprends maintenant pourquoi tu n'es plus avec elle. Non, mais arrête, t'as pas fait ça, vrai? C'est vrai? Si, j'ai fait ça à la vie. Et puis quand je suis arrivé au studio, Magistral m'a fait écouter les instrus. Ouais. M'a fait écouter à peu près 2-3 instrus. Et le troisième instru, c'était l'instru de Oh là là, je lui ai dit. C'est celle-là. Bah, c'est ça, clairement. Et après, je commençais à fredonner. Tout vini, oh, on m'a beaucoup goûté. Tout ça, mania, tu faut pas redouter. Il m'a dit lourd, tu vois. Le micro était dans la pièce conviviale, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, on va même pas le mettre dans la cabine. Tu restes là, tu vas enregistrer là parce que sinon tu vas perdre le flow. Et il y avait Liberty dans le studio. Ok. Et Liberty a dit, oh là là, c'est lourd. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme c'est parti. Ok, d'accord. 70% du son, ouais. C'était fait. Mais oh là là, quand même, t'as ton ex. Bon, fais-le quand même, petit big up. Ouais, big up, big up. Ouais, big up, big up, big up. Bon, quand même, Tiston. Bon, très belle histoire quand même. Bon, en tout cas, sachez les amis que Tiston, quand il fait des tubes, eh ben, il laisse ses ex en plan. Voilà. C'est comme ça qu'il crée des chansons. Merci beaucoup, Tiston. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que tu chantes quand même. Hein. Parce que c'est vrai que, mis avant, oh là là, t'as sorti pas mal de sons. T'étais signé chez Play Studio aussi.
Alors en fait non, c'est pas signé, mais ouais, c'est quoi que il m'a donné. Enfin, je travaillais avec eux en gros, tu vois, c'était plus le love qu'il m'a donné en vrai. Et je travaillais à peu près 3 ans avec eux, 3-4 ans. Et aussi avec Serenity Events, j'ai appris ça aussi d'ailleurs, avec, c'était le label d'Anthony Drew et de Lee Sinaïs. Exact. Mais bon, j'ai rien sorti avec eux. Ouais. C'était compliqué. Ouais. Okay. Après, c'est qu'il était un bon terme. Mais bien sûr, mais alors justement, je vais venir sur cette période-là quand même, parce qu'aujourd'hui, quand même, t'es un artiste hyper accompli. Mais c'est vrai que devenir hyper artiste. Accompli. Non, enfin, t'as quand même accompli. Attends, t'as signé chez All Point. Tu sors des singles qui fonctionnent. Aujourd'hui, quand même, t'as accompli quand même une carrière, un début de carrière, début quand même. De carrière, on peut le dire. D'accord. Mais moi, je souhaite savoir, et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent aussi, comment ça se passe quand on démarre en tant qu'artiste? Parce que forcément, comme tu me disais, Serenity Event, Play Studio, enfin, en tout cas, c'est des choses que t'as testées. Est-ce que c'est difficile, en tout cas, de commencer et débuter une carrière artistique? Mais c'est très compliqué, en vrai. Ouais. C'est très, très compliqué, surtout que quand on n'a pas les bons contacts, ouais, on n'est pas les bonnes personnes, on ne sait pas forcément vers où s'orienter, tu vois. Exact. Donc c'est vrai, et puis les gens ne nous prennent pas forcément au sérieux. Exact, ouais. Bon, Tiston, célibataire ou pas? Oui. Oh, d'accord. Bon, mesdames, vous avez entendu, mesdemoiselles, n'hésitez pas, Tiston. Hey, j'aime bien. On m'a déjà dit de me méfier de toi, tu vois. En plus, t'as posé la question à toi qui, moi j'ai répondu, t'as posé la question. Je sais, parce que je sais que le gars est pudique. Et là, je me suis dit, ah bon, il a répondu. Bon, t'as même pas vu comment j'étais pris, j'ai book moi. Terminé, ok, fais attention à toi. Ok. Bon, alors, quand même, il faut qu'on vienne sur un titre, c'est Fou de vous. Mm-hmm. Je me rends compte quand même que Tiston, tu sais, moi, quand on me parle de Tiston, je dis que tu es le dadju des Antilles. C'est vrai. Beau, c'est un très beau compliment. Non, c'est vrai. Mais de rien, non, c'est vrai, parce que quand on écoute tes textes, je sens que tu aimes beaucoup la femme, quand même. Oui, en fait, je valorise beaucoup la femme, c'est vrai, c'est important pour moi. Oui, après, je chante ce que je vis, tu vois. Bien sûr. Je vais pas me mettre à chanter. Si c'est un bas bloc là, parce que c'est exactement. Tu vois, okay, très bien, très bien. Bon, alors, t'es fou de qui à cette époque là? De la musique. Belle femme qu'on vous aime, artiste qu'on aime, nous vivons quand nous et on peut pas oublier moi. Allez là, c'était carré, ouais, tout là, comme moi, on te les fait, on te les cache, mais on pas un de loin. Tu sais que quand tu disais avocat, quand j'entendais ça à la radio, moi je pense à l'avocat, enfin bref. Non, c'est vrai. Tu sais que c'est après quand j'ai réécouté la chanson. Tu sais, moi j'ai ma cerveau. Écoute, mon cerveau est des fois. Ouais. J'aurais bien voulu savoir comment ça s'est passé, ta signature chez All Point. Je sais même pas comment ça s'est passé. Non, en vrai, c'est après Oh là là. Ouais. Il y a ma chef de projet, donc Bérangère. Gros bisous. Très bien, bisous à Bérangère d'ailleurs. Elle était en Guadeloupe. Ouais. Et mon son passe à la radio. Oh là là, passe à la radio. Ok. Elle a kiffé, tu vois. Et elle a chasamé. Ouais. Et puis elle m'a contacté sur Insta. Et j'étais en train de tourner le clip de Fou de vous. Waouh. Tu vois. Et elle me contacte sur Insta. Et là, mon manager m'a dit Big up Joe Boy en passant. Ouais. Qui m'a dit Il y a une personne là qui vient de t'envoyer un message sur Instagram. Elle se dit chef de projet. Bon, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui te promettent mon merveille. Ouais. Donc, non, on n'a pas forcément flippé sur ça tout de suite. Mais c'était dans un coin de notre tête et puis on a vu qu'elle nous parlait tous les jours, elle prenait des initiatives, elle a commencé à dire que ouais, qu'elle allait faire quelque chose avec moi, qu'elle allait me signer, tout ça. Et puis après, c'est devenu sérieux, frère. C'est devenu concret, waouh. C'est devenu concret et puis c'est de là qu'elle m'a dit qu'elle a vraiment kiffé Oh là là et qu'elle souhaiterait vraiment m'implanter en France, tu vois. C'est bien. Et d'ailleurs, bon, c'est aussi grâce à elle, je pense, que tu as fait le feat avec Que Black. Voilà, aussi, tu vois. Et du coup, elle m'a dit avec qui je me voyais faire le feat. Ouais. J'ai dit
artiste avec Kublak. Ok, et lourd. Puis on lui a envoyé le son, il a tout de suite kiffé. Il est rentré au studio, il a enregistré. Lourd. C'était lourd, il est venu en Guadeloupe direct. On a clippé ça et boum. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'en vrai, je savais déjà que tu allais faire un feat avec Kublak? Sérieux? Je te jure, parce que tu sais pourquoi? On m'avait contacté à l'époque pour trouver une fille, une figurante pour le clip. Sérieux? Je te jure, on m'avait contacté, on m'avait dit: oui Lionel, est-ce que tu connais une fille pour le clip de T-Stone et tout? Et en plus de ça, je vais te révéler quelque chose, je pense que tu n'es même pas au courant. Est-ce que tu sais que le premier épisode de la Music Drive, normalement j'étais censé le tourner avec toi? Sérieux? Et pourquoi c'est pas, c'est pourquoi tu m'as fait frère? Ouais. Parce qu'en fait, tu sais quoi? Je crois que le jour où on devait tourner, tu repartais en Guadeloupe. Mais je vais toujours me rappeler de ça, c'était en août ou en juillet, enfin juillet. Le premier épisode devait être avec toi normalement, c'est je vrai. Te jure, le premier épisode. Et en plus, c'était le jour où les médias avaient annoncé que tu avais signé chez All Point et tout. C'est vrai, voilà. Et moi, je t'en voulais déjà. Je me suis dit, mais pourquoi Lionel m'a toujours pas invité dans ça, tu m'as. Non, parce que je me suis dit quand même, il faut faire honneur aux gars, il faut qu'ils viennent, tu vois. Bon, j'ai voulu te faire honneur, mais finalement, bon, je vous dis, les gars, j'ai voulu faire une couleur. C'est compliqué en dessous de la casquette. Donc c'est pour ça que j'ai laissé la casquette. Mais en tout cas, c'était toi normalement le premier invité, okay, de la Music Drive. Merci beaucoup, tu vois. Tu devais être le parrain de la Music Drive. Mais bon, c'est pas grave, forcément, regarde, aujourd'hui on est là, on est dans la Music Drive. Exact. C'est bien. Bon, tu sais, mon titre préféré de toi, mm-hmm, c'est Loco. Sérieux? Je te jure, quand j'ai entendu cette mélodie là, je te ferai l'amour, baby. Tu sais, ça, j'ai kiffé ce morceau là. Ouais. Quand j'ai fait ce morceau là, frère, je me suis dit, ah ouais, en fait, genre, je sais pas, j'étais satisfait, tu vois. Je me suis dit, tu t'es dit, ah ouais, tu vois, je te ferai l'amour, baby. Ok. Quand j'ai fait écouter à mes parents, ouais, j'étais pas trop pour parce que je commence la chanson en disant, je te ferai l'amour, baby. Mon père m'a dit, ouais, tu veux pas dire, je te ferai la cour. J'ai dit, ah ouais, je veux dire, je te ferai l'amour, direct. J'ai vraiment raison, t'es un dadjo des Antilles, c'est exactement ça. Ouais. Mais tes parents pensent quoi d'ailleurs de ta musique aujourd'hui? Parce que bon, quand tu me dis, ouais, par exemple, là, quand ils entendent, je te ferai l'amour, ouais, ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils sont fiers de leur Oui, place? Maintenant, maintenant ils sont fiers. Tu, ouais, vois, au début, ils me disaient, mais quand on fait l'être, je suis en travail pour vous faire, frère. Ouais, je vois. Je comprends pas. On c'est pas, pas ça, on peut pas vivre de ça. Ou... Ah, tu connais, ouais, tu vois. Ouais, je vois. Métier, tout ça. Et aujourd'hui, après, ce sont les craintes. Bien sûr, de tous parents. Tous parents, tu vois. C'est vrai. Et puis maintenant, aujourd'hui, ils sont fiers, tu vois. C'est le premier qui partage, c'est qui donne la force, mon père aussi. Bientôt le disque d'or. J'espère. On espère. Franchement. C'est ce qu'on vise, tu vois. Très bien. Bon, pour avoir le disque d'or, je pense qu'il faut que tu poses avec moi un son. Et comme ça, là, je pense qu'on fait disque d'or direct. Ok. Seigneur, bon, on écoute Loco, allons-y. Je ferai l'amour, baby, de façon à ce que demain tu me remercies. Tu me regarderas dans les yeux, tu me diras que tu m'aimes et que je suis ton bad boy. Yeah. Tu n'es pas le genre de femme qui m'intéresse d'habitude, mais je te regardais passer en traversant la rue. Tu priais tes mille feuilles, tu m'as blessé. Pour moi que de ta beauté, je n'étais pas protégé. Laissez-moi faire et viens à six mois. Voulez pas parler, toucher qu'un en moi. Il y a pas de partout, tout c'est fou. Loco, loco, yeah. Baby, t'es loco, trop. Pas parler en l'eau, vous savez très bien qu'il m'a pas les bords. Tu t'en as gagné, garde que marcher en marcher. Du moins, si vous tout seul, on tombe un chat, puis on t'a les bords. Regardez qui j'en belle, une des étoiles. On va pas parler en l'eau, vous savez très bien qu'il m'a pas les bords. Tu t'en as gagné, garde que marcher en marcher. Du moins, si vous tout seul, on tombe un chat, puis on t'a les bords. Regardez qui j'en belle, une des étoiles. La dame désir. Et voilà le son, c'est le son, une vibes. Il y a une vibes dans le son, c'est énorme. Je suis complètement d'accord. Franchement, bon, comment te dire, c'était mon son préféré. Ouais. Maintenant, là, depuis, j'ai déjà deux nouveaux sons préférés. Des nouveaux sons préférés qui sont pas encore sortis. Ouais, qui sont pas encore sortis. Ok, très bien. C'était mon son préféré. Ouais, non, franchement, il est vrai, il est vraiment bon. Bon, alors, Tistan, tu sais quoi, j'ai envie de faire un challenge avec toi. Non, c'est cool. Ok. C'est cool. Je t'explique. Je vais te donner des artistes. En fait, c'est en 5 points. Okay. Je te donne des artistes. Mm-hmm. Tu devras chanter au moins une chanson des artistes. Et on fait. Et toi, tu fais la même chose aussi. Ok. Bon, si je dis, je vais signer. Wesh. Putain, peut-être que je vais dire une connerie. 4,
3, 2. La porte là. Ok, ouais, pas mis à parler. Vas-y, donne-moi un artiste. Kofi. Kofi Gami, nanana. Octa. Nanana. Ok, 1-1. Bon, allez, je donne une note. Claude François. Ah non, frère, t'as bisoué. Non, 5, 4, 3. Alexandrie. Ah ouais, Alexandrie, putain, ouais. Ok, ok. Bon, attends, je continue puisque t'as perdu. Donc, 1-1. Bah, les marginales. Attends, 3. Attends, mais non, le 6-15 quand tu fais ça. Matt, et Matt. En plus j'écoute son album. Ton album, très sale l'album. Ouais. Tu vois, il y a Fall, il y a Rennes. Ah ouais, il y a Love aussi avec Matt, il est vraiment lourd. Ouais. Bon, ok. Ok, bon, Tiston, bon, là ça va pas quand même. Attends, parce que je rappelle que tu as un. Allez, attends, je te donne un dernier. Bon, tu veux quoi? Nouvelle génération, ancienne génération. C'est mieux nouvelle génération. Nouvelle génération. Je te dis Nestlé. Bon, quand même. 5. Baby Mama. 3. Baby Mama. 2. Mais j'oublie l'air, tu vois. Bon, allez, on donne le point. Ok. 2-1, vas-y, donne-moi un peu. Wesh, Den. Oh là là. Oh, c'est ça. Des caleçons sales. Bon, ça va, allez, vas-y, donne-le. Ancienne génération. Gilles Flo. Ah, ok. 1. Pimpin. Attends. Non. Calin. Eh, mais moi. Tu sais quoi, en fait, que je me suis dit oui, Calin en fait de Gilles Floreau, mais en fait, ils ont chanté Calin de Tania Saint-Val en fait. Ah, okay. C'est pour ça. Okay. Ah, la culture et ma culture musicale, ça va, je suis calé. Ouais, bon, je te donne un dernier pour voir si là tu vas réussir. T'es prêt ou pas? Vas-y. Si je te dis Jocelyne Labille. Classique. Ça, c'est ma mère qui écoute ça, voilà. 5, 4, 3. Putain, non, j'ai pas. J'ai déposé les clés. À l'endroit où tu sais. Bon, non, c'est parce que là, tu rentres dans la musique drive, donc c'est pour ça, là, on oublie un peu. Ouais. Les artistes, c'est pas grave. Mais gros big up à tous les artistes. Oui, c'est vrai, gros big up. Bon, alors, avant de se quitter, t'as sorti dernièrement ton titre, Million. Ouais. J'aurais bien voulu savoir de quoi tu parles dans le refrain, parce qu'en fait, tu expliques à ta meuf quand même que tu préfères les billets. Mais clairement, en fait, il faut savoir que toutes mes chansons, ce sont des histoires vraies, tu vois. C'est vrai? Ouais. Celle-là, c'est laquelle? Non, mais je pose la question, enfin. Tu vois, quand tu dis c'était laquelle, ça montre que tu vois. Ah, ben, je fréquente tellement. Ben, excuse-moi, mais j'ai bien compris que là, toute chanson. Là, tu vois, tu n'as pas mon étiquette du tout, hein, tu vois. Non, c'est laquelle des chansons? Ah, ok. C'est ça. Essaye de t'attraper comme tu veux. Non, en vrai, c'est une histoire vraie. C'est laquelle? Tu vas arrêter, s'il te plaît. Je continue. Vas-y. Ouais, c'est sérieux. C'est une histoire vraie. Et du coup, elle pensait vraiment que. En fait, j'allais jamais la voir, tu vois. Enfin, rarement. Elle pensait que, tu vois, j'étais trop occupé à courir après les meufs. Alors qu'en fait, non, je suis vraiment concentré sur mes objectifs. J'ai vraiment des. Arrête de rire, frère. J'ai des objectifs à atteindre. Du coup, moi, c'est faire l'argent, frère. Me construire. Tu rigoles, c'est sérieux, me construire, et du coup voilà, donc c'est pour ça que je dis que, en gros, je cours pas après les femmes, mais je cours après les billets. Je peux pas. Et t'as cru? Mais c'est vrai, Pierre. Non, est-ce que t'as cru, parce que c'est vrai, pour moi, j'ai senti que là, c'était violon. Tu vois, c'est pas bien quand tu dis, putain, là t'es de m'enfoncer. Je rigole, ouais. Non, mais t'as cru au moins, ou pas, quand même? Non, elle m'a pas cru. Mais non, on n'est pas ensemble. Ok, bon, allez, c'est parti. Tout a commencé quand on s'est parlé, yeah. Je me rappelle encore du premier rendez-vous. Je serai capable de détailler, yeah, ce que tu portais sur toi jusqu'au bout. Non. Que je passe ma route, que je te laisse tranquille. Que tu as trop de doutes, pourtant je suis pas en train de briver. En vérité c'est pas ce que tu crois, c'est bien plus que ça. Écoutez ça. Baby, tu sais que ça n'a rien à voir avec toi. Tu penses que je cours après les meufs, mais je cours après les billets. Elle te croit pas. Tu penses que je cours après les meufs, mais je cours après les billets. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est d'amasser le million. Le million. Déjà,
gens là regardé moi, ont déjà pris sans même en fiancé. C'est vous qui prenez contrôle à toute vie en moi, mettre mes yeux en temps moi. Yeah man. Ok, très bien, très bien les amis, on était avec moi, c'est Tiston. Bon, franchement, j'espère que t'as vraiment cru par contre. Non, elle m'a pas cru. Non? Non, mais après, tranquille. Hein. Bon, si. Tu dis la vérité en gros. Oui, c'est bien. Non, faut dire la vérité, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, tu dis la vérité à qui tu veux. Regarde la gars, il s'est fait piéger. Paf, boum. Paf, boum. Bon, Tiston, c'est quoi le programme là? Ben là, je vais chez Staniski aujourd'hui. Ouais. Ouais. Tu vas bosser? Je vais enregistrer. Tu vois, la dernière fois, genre hier, avant-hier. Ouais. J'ai enregistré 3 sons une journée. Wow. Vraiment, 3 sons, 3 fois. Ah ouais. Lourd, franchement. 3 sons, on prépare fois. L'album. Matt. Bon, alors, il y a un album en préparation en tout cas. Ouais, il y a un album en préparation. Okay, c'est chaud. Chou. Vous bossez à fond là. Ah ouais, mais on a presque fini. En fait. Ok, est-ce qu'il y aura des feats? Sûrement. Sûrement. Bon, sûrement. D'ailleurs, le prochain là, c'est un feat. Un feat? Ok, ouais. Carrière? Ouais. Avec un artiste local? Ouais. Local. Personne ne s'y attend, je pense. Et ça va. Bon, en tout cas, moi j'aime. En tout cas, c'est mon préféré. Tu vois, je te disais tout à l'heure, je te parlais de préféré. Ouais. Là c'est ton préféré. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut avoir une excuse? Non. Quand même. Un nom. Première lettre. J'ai envie de dire, tu vois, mais en même temps, je me dis, mon producteur va me taper sur les doigts. On arrête. Bon, les amis, en tout cas, on était avec monsieur Tiston. En tout cas, ça a été un réel plaisir. Quel clip tu veux qu'on regarde là? Dis-moi. De n'importe quel clip ou mon clip à moi? Ah, si tu veux, on peut regarder n'importe quel clip. C'est toi. T'as décidé de changer la donne. Habituellement, on regarde le clip des artistes. Mm-hmm. Là, on peut regarder n'importe quel clip. Okay. Moi, en fait, mon son préféré du moment là, c'est Kofi. C'est Kofi Lockdown. Ok, ouais, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est sorti. Okay, regarde récemment. Ok. Moi, tu sais, mon clip préféré, c'est Les Mythos. Ah, bien vivant. Le petit placement tranquille. Au calme. Bon, les amis. Félicitations aussi à toi. Merci beaucoup. Non, mais c'est des conneries. Tu sais déjà très bien qu'avec Jackson, c'est toujours des conneries qu'on aime faire. Voilà, donc c'est une connerie qui est sortie, Les Mythos. Mm-hmm. Bon, en tout cas, les amis, on regarde Kofi, Lockdown, by Tiston. Et en tout cas, suivez quand même Tiston sur les réseaux, les amis. C'est hyper important parce qu'il y a un album qui est en cours avec All Point, les amis. En tout cas, big up à toi, Tiston. Merci beaucoup. Et merci à toi, Lionel. Merci à la musique de Web. Merci à Jackson Studio. Exact. Merci à toute l'équipe. Exactement. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi. Ça fait plaisir. Exactement ça, les amis. Restez connectés. À plus tard. No vacancy. Last time see you on FaceTime, chatting up the place, boating on my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my passion on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal. Tu sais que ça n'a rien à voir avec toi. Je te demande une chose, c'est de pouvoir me pardonner. Tu penses que je cours après les meufs, mais je cours après les billets. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est d'amasser le million. Le million, pour le million. Le million, le million. Le million, pour le million. Le million. En déjà fait ou des caplets, moi. Si j'en l'ai regardé, moi. En déjà pris sans même en fiancé. C'est vous qui prenez contrôle à toute vie en moi. Mettre mes yeux en moi. Sous qu'à sentir ça, moi, qu'à ressentir. Et si on te sait qu'il y a la partie moins en télé, pourquoi on fait moins attendre? Nous dis-moi, y'a pas ce genre de gueule qui t'a fait non plaire. C'est sans t'es qu'à comprendre. Yeah. Baby, tu sais que ça n'a rien à voir avec toi. Je te demande une chose, c'est de pouvoir me pardonner. Tu penses que je cours après les meufs, mais je cours après les billets. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est d'amasser les millions. Le million, pour le million. Le million, le million. Le million, pour le million. Promis la belle vie à la mama. Posé dans le 4 étoiles, j'écris même dans le hammam. Ouais, fini les galères, je dépensais sans compter. Mon manager le sait, mon but c'est de lui ramener le disque d'or. Je sais que c'est égoïste, mais chérie, t'as tort. Quand tu me parles des femmes et de toutes ces choses qui te blessent, qui te font réfléchir. Baby, tout ça c'est pour mon avenir. Baby, tu sais que ça n'a rien à voir avec toi. Je te demande une chance, c'est de pouvoir me pardonner. Tu penses que je cours après les meufs, mais je cours après les billets. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est d'amasser le million. Le million, pour le million. Le million, le million, le million.
c'est compliqué pour toi. Que tu ne veux pas vivre, qui vivra verra. Je voulais que tu sois mienne, que tu me regardes avec tes yeux d'amour. Viens, je te promets de t'aimer de toutes mes forces. Crois-moi, j'ai tant d'amour. Viens, et aussi loin, même après la mort. Baby, tu sais que ça n'a rien à voir avec toi. Je te demande une chance de pouvoir me pardonner. Tu penses que je cours après les bêtes, mais je cours après les billets. Je n'ai qu'une chose en tête, c'est d'amasser le million. Le million, ou le million. Le million, le million. Le million, ou le million. Le million. Girl, them, en criminal, girl. C'est celle que je voulais. Girl, them. Je te dirai bye bye. Je te dirai bye bye.